C'est bon. Ça, c'est la voiture rouge. Ça, elle va plus vite que sa voiture bleue. Mais ça, elle est moins solide, comme ça. Elle va comme ça. Attention, attention, c'est des piétons. Oh. Ah, non, non. Oh, dans la poubelle. Sylvain. Sylvain, ton recul, ah, tu mon, voulais, là. Mon capricorne. C'est froid. Ça fait mal à la tête. Bon, Sylvain, allez, s'il te plaît, ça fait 5 heures qu'on est là. C'est beaucoup, 5 heures. C'est moi déjà que j'ai regardé Titanic, 3 heures, bonjour, c'est long. Hein. C'est pas comme si on savait pas qu'il coulait le bateau. Hein. Bon, Sylvain, écoute. Attention, attention. Capricorne. T'as vu, là, ils ont mis des trucs pour cacher les marques. Mais. On laisse ça, Artus. Sylvain. Ça, voilà, hop. On prend pas de risque. Voilà, on est enculé. Voilà, allez, on va être. Voilà, allez, hop, y a plus rien. Voilà. Voilà. Tu l'as montré, ça aussi. Enculé. Hein. Bon, allez. Bon, Sylvain, oui. J'ai des mecs qui sont en train de ratisser toute la forêt, ok? Oui. On va la retrouver, la petite fille, ok? Donc arrête juste de nous faire perdre du temps. Dis-nous où elle est, Sylvain. Je vous, commissaire, je vous ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec la petite fille. Écoute, on a retrouvé ton ADN sur le sac de la petite Pauline. T'es sorti du centre, t'as dit que t'allais chercher une gaufre. Les mecs des gaufres t'ont jamais vu. Arrête de mentir, en plus tu risques rien avec ton handicap, Sylvain. Ouais. Je ne sais pas handicapé, hein. J'ai un petit truc en plus. Maman a dit, Sylvain, il a un petit truc en plus. Au centre, il m'appelle Sylvain T1. Sylvain, oui. Sylvain, ça va te faire du bien d'avouer, tu vois, parce que tu gardes tout ça en toi, tu sais que c'est pas bien ce que t'as fait. Allez, dis-nous où elle est, la petite Pauline. Elle est peut-être encore en vie, en plus, tu vois. Dis-nous, ça va te faire du bien, soulage-toi. Je vais vous dire quelque chose, commissaire. Lieutenant, commissaire. Commissaire. Pour moi, je ferai jamais mal à une mouche. Parce que l'humanité, pour moi, tu vois, ça c'est des gens, ça c'est d'autres gens que je connais pas forcément. Et l'humanité, c'est quand tous ensemble, même les Arabes, tous ensemble, comme ça, on se prend ensemble comme ça, et ça fait la terre. Et moi, je suis pour l'amour, et j'aime tout le monde, et je fais mal à personne. Chef, on vient de trouver un corps près du lac. Ah, ça, c'est moi. Mais c'est pas la tes filles. Le corps là que vous avez retrouvé là, c'est quoi comme corps? C'est le corps d'un enfant? Négatif, chef, négatif. Ah. Squelette adulte. Il est là depuis un petit bout de temps. Impossible de l'identifier. C'est possible de l'identifier. Oui. Oui, bonjour, c'est Sylvain. Il s'appelle Antoine. Le corps Antoine Bigot, il a disparu. Ça date. J'ai remis. Mai 2014, à peu près, comme ça, à vue d'œil. environ, quoi. Voilà. Je vous embrasse. Besoin de plus en plus d'informations, vous me contactez. Alors, tu t'excuses un peu? Mais oui, tu fais un bisou. Tu fais un bisou. Non, je te fais pas de bisou. Tu m'as accusé, alors je sais pas moi, tu fais un bisou. Non, je fais pas de bisou, jamais de la vie. Si tu fais pas de bisou, je te dis pas où est la femme d'Antoine. Tu fais un bisou. Y a un autre corps à côté du corps que vous avez retrouvé là? Négatif, chef, y a rien, y a pas de corps. Alors, y a pas de corps à côté, aucun non, corps. Je peux dire, elle est bien cachée, Nathalie. On va pas la trouver. Tu fais un bisou, allez. Non, je fais pas de bisou. Tu fais pas de bisou, pas de Nathalie. Allez, tu fais un bisou. Allez-y, chef, faites-lui un bisou, merde. Ouais. Un bisou. Allez. Tu fais un bisou. T'es pédé. T'as tourné la tête, on m'a embrassé, t'es pédé. Toi, t'aimes le zizi. Pédé. Le commandant, il est pédé.
je vais te dire où est Nathalie. Assieds-toi. Te trouveras Nathalie, non loin de là, dans le lac. D'accord. Je n'ai pas fini, mais tu trouveras également Nathalie. Dans la grotte des deux loups, c'est un peu en dessous, très joli, très sympa, un coin top, super. Okay, ainsi top. Que à l'emplacement 27 du camping des Deux Pins. Ouais. Tu peux pas romper, au 28, c'est des Hollandais, ils sont toujours là, ils sont gentils, ah, adorables, okay. La main sur le cœur. Ok, ouais, ouais. Okay. Bon, alors donc vous fouillez le lac, vous fouillez la grotte des deux loups, et on a une équipe au camping? Oui, chef, ouais, on a une équipe au camping, ouais. Ok, alors vous allez à l'emplacement... Quel emplacement? 27. Ok, 27. Emplacement 27, vous creusez l'emplacement 27, et à côté, il y a des Hollandais, apparemment, ils sont toujours là, vous essayez de les interroger, de voir s'ils ont vu quelque chose. Non, chef, chef, il n'y a personne en 27 et en 28, il y a des Espagnols. Ah ben, peut-être, mais sous les Espagnols, il y a des Hollandais. C'est sûr. Sylvain, oui. C'est quoi tous ces gens que t'as tués? C'est quoi? C'est des gens qui étaient méchants avec toi? Ils se moquaient de toi, Sylvain? Non, pas du tout. Au contraire, gentil, dans le partage, l'amour. Les Hollandais, comme ça. Vraiment, adorable. Moi, je creusais pour Nathalie, tu vois, le placement à côté. On va pas revenir sur le dossier Nathalie. Ça, c'est clos. Je creusais. Creuser comme ça. Et là, ils me disent je vais pas faire, ils sont hollandais. Et bref, ils me disent venez, on boit une bière au bungalow. Moi, je vais, je bois une bière au bungalow. Tout se passe très bien. Là, je sais pas, d'un coup, sorti de nulle part, je prends la tête de sa femme, je coupe. Lui, il me dit oh non, je suis pas pour. Je pose la tête à lui, je te coupe aussi. Et je pose deux têtes comme ça sur la table. Une bière, je crois que j'ai l'alcool mauvais. Et après tu... Un peu après, deux salles de ambiance. Tout le monde s'est calmé. On a pu reprendre la discussion. On a fait un uno. Devine qui a gagné. Dans le mille, c'est moi. Chef, on vient de retrouver la femme de l'emplacement 27. En fait, elle n'était pas enterrée très profond. Oui, mais c'est hyper calcaire. Hein. Fou. En plus, j'étais mal outillé. Petite parenthèse, ouvrez les guillemets, hashtag à la ligne. Je n'ai jamais bricorama. Non. J'ai fait là, pendant le confinement, je suis allé sur Internet, j'ai fait quelques collectes, un click and collect, deux pelles, un sac de chaud. Devine le prix. J'en sais rien, si. Devine, je t'en ai pris. Je sais pas, 35 euros. 94 euros. T'en as normal, toi? Pour deux pelles et un sac de chaud. Après, j'ai trouvé une petite boutique en centre-ville, très sympa. La vendeuse est comme ça. Elle a des longs cheveux blonds comme ça, ils sont tout doux. T'en veux? Je veux quoi? Tu veux des cheveux de la vendeuse? T'as des cheveux de la vendeuse? Non, j'ai pas... Tu m'as pris pour un fou, quoi? Non, j'ai la tête, mais du coup, il y a les cheveux. Ils sont accrochés. Ouais, ouais. C'est logique. C'est bon, chef, c'est bon. Malheureusement, on a retrouvé deux corps juste à côté. Certainement, les Hollandais. Non. Oui, bonjour, c'est encore Sylvain? C'est l'organisateur de la chasse au trésor. Ouais. Il y a un petit méprise. Les Hollandais, ils sont quatre. Il y a des enfants. C'est deux. Vous n'avez pas votre père, ils se ressemblent, c'est les jumeaux. Enfin, ils se ressemblaient. Vraiment? Non, ils doivent se ressembler encore plus maintenant, je pense. Merci. Je vous en prie. S'il y a besoin de plus en plus d'informations, je reste à votre disposition. Vous allez recevoir un mail de satisfaction. Si vous pouvez le remplir, ce sera adorable. Merci beaucoup. À bientôt. Je vais essayer de faire.
Ça fait, j'ai bon, été... Sylvain, Attends, j'ai oublié quelque chose. C'est lequel, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Ouais, rebonjour, c'est Sylvain, encore. Quand vous creusez, faites attention, parce que vous pouvez vous faire très mal au dos, il faut rester bien droit. Moi, une fois, j'ai creusé, mais c'est nickel le dos. Je veux dire, le nom de Maxime, il restera gravé dans ma tête à jamais. Parce c'est Maxime. Que... C'est qui? Attends, c'est qui Maxime? Attends. Le commissaire, il est pédé. C'est un pédé. Allez, rends-moi ça. Non, attends, je finis. Il faut bien droit comme ça sur la pelle. C'est qui, Maxime? Parce que c'est... Tu fais ça, assieds-toi, je termine. Non, mais dis-moi. Je suis Maxime. En ligne. Donc, je vous disais, il faut appuyer bien avec le talon, parce que si ça rappe, si ça glisse, ça peut ouvrir la jambe. Moi, je, comme avec les huîtres, quand on ouvre des huîtres, le couteau à huître. Voilà. Mais j'aurai à votre disposition. Alors, elle est où, là, tes filles? Ah non, c'est pas moi, c'est là. C'est ce qu'on va faire, Sylvain, regarde. J'ai une carte de la région, là, ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est très simple, regarde, on va gagner du temps. Voilà, cette partie-là. Voilà, regarde, je te donne un stylo, ok? Hop, et tu vas me faire des petites croix, là, où on doit creuser, ok? C'est parti. Là, il y a un chien, c'est pas moi. Il était déjà là. Moi, je l'ai enterré. Et à mes frères, j'ai rien demandé. Là, le lac, j'entoure. Comme ça, c'est plus facile. Parce que, comme c'est de l'eau, ça bouge. Je fais des croix. Après, vous allez là où il y a la croix. Peut-être le corps, il est plus là. Et c'est sur qui ça va retomber? Sur moi. Alors, c'est bon. Là, je vais prendre le stabilo. Je vais colorier, ça va plus vite. Comme ça. Voilà. Voilà. Ah! Là, c'est très important. Là, il y a une petite rando, très sympa. Jolie, très beau colique, vraiment, hyper sympa. Je vous conseille de la faire. En plus, je l'ai bien balisé, celle-là. Ouais. Ouais, je... Ça, c'est à faire en famille. Vous avez des enfants? Si vous n'en avez pas, vous en trouverez sur place. Hein. Pas inquiété. Très joli. C'est bon, on vient de retrouver la petite fille, elle a envie, en fait, c'était juste une fugue. Et voilà. Lavez de tout soupçon. Vous n'avez pas une carte d'Europe?